Non, vous ne rêvez pas, plus de 200 personnes se sont baignées aujourd'hui à Saint-Gilles-d'Adruy dans le Morbihan, 216 baigneurs précisément, dont certains déguisés, qui n'ont pas hésité à braver une forte mer à 8 degrés. Lionel Bonis, Frédéric Huette. Dès 14h, ils étaient prêts à se jeter à l'eau, plage du Gauvelin, ou plutôt Gorvilline, le vieux moulin en breton. Et du vent pour le moulin, il y en avait, des rafales supérieures à 50 nœuds et plus de 2 mètres de houle, vraiment pas l'idéal pour une baignade. Tous ensemble là-bas, parce que le matériel là-bas, c'est pas la peine de l'amener, hein. On tient en matos, hein. On est dans le rouge. Allez, échauffe-moi, madame. Les sauveteurs auraient hissé le drapeau rouge, mais pour les otaries de la presqu'île de Ruiz, rien ne leur a été refusé. Les 50 km, Saint-Gilles-Saint-Anne, c'est au mois d'août. Ah, c'est au mois d'août. Moi, je suis pas bon, hein. On peut pas être bon partout, genre d'eau. Comment tu l'as trouvé, toi, l'eau? Formidable. Formidable, non, mais... Alors, y a... c'est vrai qu'en fait, vous voyez, je cause comme ça, mais je suis pas très en forme aujourd'hui. Regardez. Mettez votre main sur mon front. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaud, hein. On est à combien? Oh, 40. Oh, purée. Oh là là, je rentre à la maison, je vais aller sous la couette, là. Alors, le corps médical, c'est vrai, et vous étiez bien déguisé, c'était une... C'est original, c'est la première fois en plus qu'on a ça aux otaries. Je tiens à vous féliciter d'être déguisé en infirmière, en infirmier. On en a dans le groupe, les infirmières, et puis elles ont dit, oh, ça serait bien, une fois encore médical. Eh bien, c'est bien parce que vous faites un beau métier, et grâce à vous, beaucoup de gens se sentent mieux. J'avoue, ça mettra à Guénaël. Son copain, c'est un 20 ans aussi. Celui qui est l'évêque, c'est le copain de ma fille. Bah, il vous dit, on va mettre le côté. On a la pharmacie, on a la robe. Elle est super, là. Celle de M. Borius, j'aurais voulu celle-là. Le chat, il faut bien voir le chat. Il faut la passer, il faut la faire voir là-bas.